Est-ce que c'est vraiment elle? Oh! Oh, Kissimissi. D'accord, c'était quoi ce bruit de porte? Tu vas me dire que là, il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir la porte de l'usine de Poppy Playtime? Non, c'est bon. Ok, bien bonjour à tous! Les amis, c'est Mojapar! J'espère que vous avez bien écouté. Moi, ça me donne une quelle connaissance! C'était l'intro la plus flippante que j'ai pu faire de toute mon histoire sur Poppy Playtime, de vidéos sur Poppy Playtime. C'était quoi ce grincement de porte, là? Ok, déjà, ça annonce la couleur. Et aujourd'hui, les amis, on est de retour une fois de plus dans l'usine de Playtime pour rencontrer, enfin, vous l'avez vu dans le titre, Kissimissi. Voilà, donc ça va donner un petit peu un aperçu, un avant-goût, j'ai envie de dire, bien sûr, du nouveau phénomène qu'on va croiser, hein. Donc cette fameuse Kissimissi, normalement, qui sera présente, j'ai envie de dire, même dans le chapitre 2 de Poppy Playtime. Et on va voir aussi également au passage, les amis, pas mal de petits secrets au passage grâce à notre fameux hacking. Alors c'est bon, la cassette là-bas est terminée. Donc bon, la fois dernière, vous l'avez remarqué, on avait croisé bien sûr Elmo dans Poppy Playtime. Et aujourd'hui, ah, bon, allez, c'est bon, j'ai besoin de la main. On va croiser Kissimissi directement. Ah, dans l'usine. Oh, déjà, si j'avais pas passé la barrière, ça risque pas le faire. Alors attention. Est-ce qu'elle est déjà là ou pas? Est-ce que c'est vraiment elle? Oh! Oh, Kissimissi. En poil et en mousse. Oui, il y a des photos en chair et en os, mais... Oh, tellement stylée! Oh là là! Elle est tellement stylée! Bon, j'imagine que bon... Elle est pas là pour enfiler des perles dans le coin de jouet. Alors je vous rappelle bien sûr les amis que j'ai toujours les pleins pouvoirs pour pouvoir justement hacker le jeu, c'est-à-dire me balader un petit peu comme je le souhaite. Ou bah bon me semble en fait hein. Regardez par exemple si je veux passer rien à travers le mur, je peux toujours le faire bien sûr. Et on va essayer de découvrir pas mal d'indices justement sur cette Kissimissi. Il y a déjà pas mal de leaks hein, c'est-à-dire des petites infos assez secrètes qui ont un petit peu vu leur apparition sur le net. Je vous montrerai quand même des extraits. Bien sûr les amis, c'est des infos à prendre avec des pincettes. Mais bon, vu le nombre de fois où on a entendu parler de Kissimissi, je peux vous dire que, regardez, elle bouge, je vois ses poils bouger, qu'elle sera forcément dans le chapitre 2. Bon, du coup, donc, alors, on va pas faire que ça, les amis. Donc, du coup, donc, attends, déjà, j'aurais pu me balader. Même, est-ce qu'ils ont ajouté des nouvelles structures, les devs, ou pas? Oh, ça aurait été énorme de voir, genre, le théâtre. Oh, ça aurait été ouf. Parce qu'il y a tellement de trucs qui traînent, hein. Comme je le dis, hein, vraiment, je vous montrerai des extraits. Puis ça, attends, ça prouve tout, ça. Alors, par contre, Kissimissi, tu veux bien me filer ma clé, s'il te plaît? Non, mais j'aimerais bien accéder à la salle des générateurs. C'est quoi, c'est l'heure? Je peux. Non, c'est pas ça. Non, je veux pas un jouet, Huggie Wuggie. Donne-moi. Donne-moi, il va où mon bras? Donne-moi ma clé! Mais quoi? Je peux plus la récupérer. Oh, regarde ça! Je peux tout viser sauf la clé! Mais non! Et voilà, le cauchemar s'arrête ici. Bah, au final, c'est pas plus mal pour moi. Hein. Je veux tellement la clé, mais j'ai pas le droit. Je peux pas accéder à la salle des générateurs. Non, mais je vais être obligé de relancer le truc. Je vous jure que c'est vrai. Regarde ça! Je vais être obligé de relancer le jeu! Parce qu'elle veut pas me filer ma clé! T'imagines, ça aurait vraiment arrivé? Je pense qu'à mon avis, le jeu n'aurait pas si bien marché, hein. Jetez un œil, hein, fais gaffe. Ok. Allez, donne-moi ça. Ah bah bon, on a la clé! Ah, c'est bon. Je l'ai? C'est bon. Ah, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir son bras ou pas? Parce que bon, on vient de se barrer, bien sûr. Oh, c'est elle! Oh, c'est bien elle! Oh, c'est Kissimissi! Ok, bon, très bien. D'ailleurs, hein, c'est elle qu'on va retrouver de l'autre côté, hein, derrière cette porte. Je sais pas si vous l'avez capté, les amis, mais c'est là que se situe normalement la salle de fabrication de jouets. D'ailleurs, il y a vraiment personne à ces caméras-là! C'est quand même un délire, non? C'est quand même un délire! Et du coup, donc, effectivement, il y aurait déjà, comme je disais, des leaks, des vidéos hein, qui prouveraient que peut-être. Dans une espèce de pièce, dans un bureau, on pourrait avoir soit Huggie Wuggie, soit Kissimissi qui essaierait de forcer une porte. Voilà, donc ça, après avoir ce que ça va être. Donc apparemment, ça c'est vraiment
Un extrait des développeurs, hein, donc c'est une certitude, mais après à voir, est-ce que ce sera Wikiwoki ou Kissimissi qui fera son apparition de cette manière-là. Alors, est-ce que vous saviez qu'il était possible, justement, les amis, de glitcher, parce que pas mal d'entre vous m'en avaient parlé, mais de passer en dehors de la map. Alors là, déjà, on peut voir qu'effectivement, il y a un bloc invisible, alors apparemment, il nous faudrait donc prendre cette espèce de caisse en plastique jaune. Allez, la puissance! Bon, le mieux, je pense, c'est y aller avec les deux mains, mais après, j'ai peur que ça... Vous voyez ce que je veux dire, ça charge la map. Oh d'ailleurs on pourrait regarder le bout de mon épaule. Du coup là je pourrais en fait sauter je pense. Il y a moyen de sauter en fait ou de le bloquer et de sauter après sur les convoyeurs. C'est... Ah voilà c'est bon les amis, regardez si vous savez trouver le moyen de... Ah bah non elle vient glisser, voilà. Donc en fait le but c'est vraiment de faire en sorte de bloquer la caisse pour pouvoir en fait faire en sorte qu'elle devienne comme une plateforme. Genre comme ça. Oh j'ai réussi. Oh il vient de tomber. Donc c'est à dire que là en fait... Ah, c'est donc ici qu'elle est en fait. Et là, on peut sauter et tout. Oh, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et là, on peut passer ici ou pas? Oh la vache, ouais. Oh, et on peut s'accroupir et passer. Alors attendez, donc. C'est ouf quand même de glitcher à ce point-là. Close glitcher. Est-ce qu'on peut prendre le point? Oh, t'imagines que ça serait ouf. Bon, après, l'énigme est pas très dure. Hein, mais regardez, du coup, ça donne ça de côté. Et regardez, il y a cette espèce de truc là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une porte en verre. Non mais c'est trop glauque hein. C'est space. C'est vraiment space. Ok bon du coup on va revenir à notre position. Et du coup attends non mais sérieux on peut aller dans les conduits où se cache Kissimissi ou Okiwoki justement. Oh, what. Mais quoi. Donc tu peux te barrer mais pas très légalement quoi. D'accord. Ça serait énorme de vraiment pouvoir prendre la deuxième main. Ah ouais mais c'est ouf hein. Donc voilà donc si jamais vous n'arrivez pas à installer le mod qui permet de vous balader en caméra libre, bah faites ça. Faites le. Ok. Je veux tenter, je veux voir. Je peux venir là. Je peux toucher la main mais je peux pas la prendre. Il faut absolument s'abaisser hein, pour passer le mur invisible. Mais ok. Alors depuis le temps que vous voulez que j'essaye ce bug. Non mais c'est incroyable. Bon bien sûr ça bientôt ça sera plus possible hein, mais c'est complètement dingue. Bon bah nickel bon faut vraiment que je revienne en arrière pour Ok ouais bah je vais être obligé de revenir en arrière. D'ailleurs ça m'intrigue toujours ces espèces de canalisations là. Bon et bah je vais débloquer ma deuxième main. Et on va faire un tête-à-tête avec Kissimissi. Alors les amis, il faut que ça, je vous montre un truc qui est quand même énorme, c'est que regardez, je peux voir mes mains avancer en fait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je peux voir mes mains avancer, regardez, hop là. Et voilà. Bonjour, est-ce que c'est possible de reprendre le contrôle de mon corps? Ok, c'est bon les amis, regardez, donc je vais pouvoir récupérer le joueur en question. Voilà, pour pouvoir justement ouvrir la porte à Kissimissi, attention. Allez là. Ah bah oui non mais c'est vrai il faut que j'aille justement la chercher. Est-ce qu'elle est déjà là ou pas? Je veux voir. Attendez. Oh la fourbe elle est pas là. Ah bah si regarde elle est là, il y a son bras. Ok et tu me diras techniquement elle est là aussi. Ok bon attention. On se prépare. Ok alors je vais mettre pause direct dès qu'elle va arriver parce que on peut pas ouvrir ça hein. Ouais, rien à faire hein. Ah c'est fermé c'est verrouillé. Oh what the... What. Comment ça se gueule pas ça, c'est de merde. Quoi? Kissimissi, mais quoi? Non. Tu passeras jamais ici. Ah ah ah. Ah non, je pensais qu'on pouvait s'abaisser. J'aime bien la pose sur ses dents. C'est magique. C'est agréable. Attendez, je vous fais un détartrage. Pendant que j'y suis, là, vu que je vois vos dents actuellement, là. Je... Ok. Très bien, bon, bah, elle est violente. Elle est pareille que son frère, je sais pas, son... Oh là là. Oh, Kissimissi, version pâte à modeler. En vrai, j'aimerais trop pouvoir trouver le moyen, tu sais, de monter genre là. Pas moyen de genre de buddier ça là. Ce serait fou, t'imagines. Attendez, attendez, moi j'ai envie de... J'ai envie de tenter des trucs. Regarde le piano, il me juge. Il me juge tellement.
Il est en train de se dire qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pas bête ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il y a pensé? Je pense que le carton va se faire éclataxe. Mais ça vaut le coup d'essayer, d'accord? Ok, on va prendre un deuxième. J'ai tellement envie de voir le carton voler. Oh, pas mal ça. On peut grimper? Propre. Là, il y a un beau mur invisible là. Tu le sens? Dans doute, le petit, on va le garder. Eh bien là! Comme quoi, c'est peut-être possible que... Alors, est-ce qu'elle va réapparaître en mode... Elle est où? What? Oh! Ok, alors la porte est fermée. Pas bon ça! Pas bon ça! Oh! Non, c'est pas possible. C'est pas possible! On peut pas passer au-dessus de la barrière! Mais c'est dans Matt, c'est Chico! C'est horrible! C'est horrible! Bon, j'arrête. J'ai plus de main? What? J'ai plus de main. Je n'ai... La vérité, j'ai plus de main. Mais je peux pas finir le jeu parce que j'ai besoin de mes mains pour... Mais qu'est-ce qui se passe? Rendez-moi mes mains! Je me sens quand même mieux comme ça. Voilà, attends, on va remettre un petit carton quand même, juste pour le fun. Voilà, ça serait énorme qu'elle revoltige. Oula. Ah, il a pas envie d'y aller. Non! Je veux pas y retourner. Non, ça suffit. On va prendre un autre comme ça. Ouais, nickel. Ok, on va le poser juste là. Impeccable. Et un dernier, voilà. Et après, donc, je crois que j'ai remarqué, mais elle ne peut pas nous attaquer quand on est dans cette zone-là, en fait. Tant que vous restez dans cette zone-là, elle peut pas vous attaquer. Elle peut vous... Enfin, de toute façon, elle va vous pousser, hein. Faut pas rêver non plus, tu vois. Mais elle peut pas vous attaquer. Arrête de me juger, toi, le cadeau, ok? Hein? Est-ce que moi, j'ai une cheminée sur la tête? Non! Alors. Oula. Oula. Wouah, je sais le mettre droit, là. Impeccable. Let's go. Elle me pousse, j'ai senti. Elle est où? Elle arrive! Ah! Ok, très bien, bon, on se casse. C'est bon, t'as gagné. Ah! Ferme la porte. Vite! Ok, ça on connaît. C'est elle? Oh, c'est Kissimissi! On la voit bien. Oh, y'a Kissimissi! Elle est là ou pas? Oh, Kissimissi, non! 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 Oh! Oh! Oh là, t'imagines? Ah! Et là, on a quand même une meilleure vue de l'intérieur de la bête. Oh, elle a une langue de serpent. Allez, ramène-toi cette fois-ci, c'est mort. Oh, elle est tellement stylée. Oh la vache. Oh la vache. Wow. On attaque un coup de carton. Allez, on se casse. En vrai, je sais pas comment elle fait pour aller aussi vite, pour me retrouver directement ici, là, dans le conduit, là. Ok, on y va, c'est bon. Oh! Ok, c'est bon, ça va le faire. C'est pas comme si on l'avait déjà fait une tonne de fois. Et là, il change le chemin, tu sais. Ça serait tellement horrible. Elle est là, hein, c'est ça? Bah alors, on se traîne! Grand-mère! Je me souviens. Oh la vache, j'ai failli faire malin. Elle est tellement derrière moi. Je suis tellement mort. La vache. Ok, on y va. Yes, c'est bon. On y va. On est mort. Wouh. Elle arrive. Ouvre la porte. Oh, on peut y passer à coup, puis vous avez vu, on peut gagner du time. Ça, c'est bon, ça. Vas-y, essaye de me rattraper. Tu vas voir. Oh. La porte. Allez, fais tomber ça, let's go. Wow. Et c'est la chute. Ouh là là, ça doit faire mal. Ah, moi j'avais pas vu, mais en fait il y a deux traces de sang. Et ben voilà, les amis, une fois de plus, on a échappé à cette nouvelle créature, cette nouvelle bête, qui n'était d'autre que Kissimissi. Oh, il y a un passage là. Oh, ça sent le futur passage. Ouais, je veux voir si on peut tomber. Ouais, je veux voir, ouais. Moi, je suis inspecteur de la sécurité, ok. Bon bah voilà, et bah les amis, on l'a fait. On a survécu partiellement, hein, parce que je vous rappelle quand même que elle nous a bouffé deux fois, mais c'était pour la science, hein, comme on dit. Pour la science, voilà. Oh d'ailleurs, c'est le jouet qu'on fabrique, ça. Excellent. Et on a pu échapper, bien sûr, à Kissimissi. Et bah écoutez,
Les amis, j'espère en tout cas que ça vous a extrêmement plu de la croisée. Alors bien sûr, moi aussi les amis, je suis très impatient d'avoir le chapitre 2 hein, qui sort d'ailleurs courant année 2022, hein, ça a été annoncé. Donc est-ce que ça sera plutôt début d'année ou milieu d'année? On ne sait pas pour le moment, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça ne sortira pas pour le mois de décembre. Je suis désolé de vous le dire, hein, j'ai bien vu, hein, la date a été, enfin la date approximativement a été annoncée, ça serait à peu près pour de courant 2022, voilà. D'ailleurs, Poppy, il va falloir hein, s'occuper de ce papier peint, n'est-ce pas? Ah, pourquoi t'as encore pété la lumière? Ça va nous en faire cher les ampoules à force. Eh bien, écoutez, les amis, merci à tous de m'avoir suivi pour la découverte de Kissimissi dans Poppy Playtime chapitre 1, ainsi que bien sûr toutes les petites zones, les petits secrets qu'on a pu découvrir au cours de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, les amis. Je vais vous demander de lâcher un maximum de likes pour tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas bien sûr de partager en masse la vidéo pour dévoiler au monde tous ces secrets et bien sûr la possibilité de tester et d'avoir Kissimissi dans Poppy Playtime le chapitre 1. Voilà, et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci à tous, c'était votre Jumper et c'est bien un écran noir. On n'a pas les crédits de fin, on n'y a pas le droit, ça y est, il faut remettre une pièce en ça, tu vois. On n'y a plus le droit, voilà, on est trop joué, tu vois. Et du coup les amis, je vous dis du coup à très bientôt. Ciao.